Et je lui disais, parfois, je lui disais ceci qu'on doit faire là, ça ne doit pas attirer, ça ne doit pas captiver les femmes. Bon, faisons plutôt comme ça. Et puis il a adhéré. Vraiment, ça m'a cassé le bras quand j'ai appris le décès de ma soeur. Mais c'est Dieu qui sait. Nous continuons toujours avec les mots de Mamiton. Juste ça, captiver les femmes. Un peu de partout, quand on parle de Mamiton la traite trop, sa nièce. C'est des choses que nous rencontrons ici dans nos foyers. Nous rencontrons ce type de trucs dans nos foyers, les menaces avec les enfants de la famille, les menaces avec ta propre fille. Parce que quand je menace ma fille Prisca, c'est l'enfant de ma petite soeur qui était décédée et que j'ai pris son enfant pour élever, puisqu'elle est encore très petite. Alors, comment avez-vous rebondi après le décès de l'ancien? Ah, ma chérie, c'était trop, trop énervant même, parce que parfois je me suis posé la question, est-ce que le bon Dieu Seigneur s'était fait? Une personne qui a la tête sur tout. Le gars, c'était un monteur, un réalisateur, il faisait tout pratiquement, un bon acteur aussi. Bon, quand on propose Dieu, je suppose, quand nous avons appris son décès, nous avons seulement dit, ah, c'est Dieu qui a choisi. Nous avons fait pour continuer, puis nous avons un peu capté sa façon de réaliser, quoi. Alors, au-delà des minutes de Mamiton, vous savez qu'on vous identifie beaucoup à Mamadi du Nigeria. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on vous donne toujours ces rôles de belle-mère, téméraire, méchante et tout? Je veux dire, c'est parce que je joue ça très bien et je ne sais pas, parfois même quand un producteur ou un réalisateur vient me rencontrer et demande à maman, voilà ce que tu dois jouer. Je dis, mais pourquoi vous choisissez toujours là où je suis méchante? Malgré qu'on m'insulte même en cours de route, mais ça m'énerve parfois de dire, ah, c'est ma façon de jouer qui est parce que quand je veux jouer, je ne blague pas quand je suis sur le plateau de tournage. C'est ma façon de jouer et j'aime le cinéma. Alors, je vais révéler quelques anecdotes que vous nous avez relatées il y a quelques années lors du festival Miss Mobina pour une conférence où vous disiez par exemple que à l'école de vos enfants, les autres enfants n'arrivaient pas à jouer avec eux parce qu'ils estimaient que leur mère est méchante et Oui. qu'il a fallu que vous alliez les rassurer à l'école. Exactement. Et aussi, je vois à Ebolo avec toi, vous Avec toi, avez. oui, non, avec ta paix, avec toi, c'est les autres. Ah oui, c'était en 2007-2008. On m'a invité à Bintoa pour un mariage et je devais faire 3 jours. Je suis allée là où on m'a logé, j'ai dit non, je vais arriver à Bintoa, je n'ai jamais été. Il faut que je sorte quand même pour me balader, pour voir la vie de Bintoa. Je vais raconter quoi quand je vais rentrer. Alors je sors, je suis en train de marcher tout doucement, je marche. Ceux qui me reconnaissent, les gens sont plus habitués à me voir méchante.
semaine d'arrêt de l'âge que nous avons donné, ça fait aujourd'hui peut-être 5 ans. Quand c'était au début, j'étais un peu docile. Mon mari m'appelle, je lui dis, comment ça? Il me menace. Non, on ne veut pas voir ma vie comme ça. On veut voir notre ma vie dans le rôle très difficile. C'est à la fin maintenant que j'ai montré mon vrai visage, que les gens ont beaucoup apprécié. Alors, le rôle de méchant vous colle toujours à la peau? Non, parce que ça me colle à la peau. J'aime le rôle de femme méchante. Alors, je précise également que vous êtes à l'affiche du long métrage Irrational de votre fille Tietzi, qui sort en décembre. Ouais, quel type de rôle jouez-vous là-bas? Une femme possible qui veut avoir, qui veut l'intérêt, quoi. Qui a un homme qui sort. Il y a un homme qui sort récemment avec ma fille et un voyou qui vient chaque fois exposer son problème. Ma fille, aujourd'hui, je lui dis, mais tu es bête. Comment un jeune garçon peut venir chaque fois et te prendre de la main car il est venu? Et toi, tu ne fais que le public. Ce n'est pas normal. Celui qui vient te chercher pour te demander là, c'est lui que tu dois épouser. Et tu dis, non, je lui dis, tu vas faire ce que je dois parce que c'est pas moi. Alors, il y a plusieurs réalisateurs et producteurs qui souhaitent vous avoir sur leur projet. Quelles sont les conditions pour avoir Manika dans un film? Non, c'est pas compliqué. C'est des gens qui vont peut-être compliquer dans le monde, mais ce n'est pas compliqué. S'ils ont la possibilité de rencontrer, certaines personnes ont la possibilité de rencontrer, certains artistes demandent le droit de Manika, on ne doit jamais. Et on ne fait même pas savoir. Parce que quand moi je passe en demande le rôle d'une artiste, j'appelle l'artiste, je dis, il y a telle personne, telle personne qui veut ton rôle, est-ce que je peux le dire? Quand il dit que je peux le dire. Et je veux aussi savoir pourquoi est-ce qu'il prend le rôle de l'artiste. Bon, certaines personnes disent que pour avoir un mentor, c'est pas tout ça. Bon, quand tu me veux pour ton projet, je te dis ce qu'il y a de faire. C'est une question d'entendre. Voilà. Alors, je précise également qu'avant d'être à Douala, vous étiez animatrice. Donc, vous avez fait un tour dans une radio de la place. Ah non, 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 c'était à mes débuts, si je peux permettre de commencer. La radio Equinox avait annoncé qu'ils étaient à la recherche des animatrices et des artistes. Alors, je me faisais. Bon, je travaillais pour pas, mais ça ne durait pas. C'est là où j'ai fait les deux domaines qu'on ne sait jamais. Je suis allée déposer, j'ai dit si on reprend artiste, je joue, si on reprend animatrice, je le fais. Malheureusement, ça n'a pas marché là-bas. Et puis, j'ai rencontré un frère d'artiste. C'est lui qui m'a donné le contact du diplôme. Et puis, j'ai rencontré le diplôme. Le diplôme m'a demandé si j'ai fait ça. Et le frère, j'ai fait ça quand j'étais à l'école. Et puis, je suis ici. Et on s'était de voir que nous, on faisait ça. Dès que je vais me battre sur le pied du but, vous allez me juger. Il m'a vraiment jugé. Alors aujourd'hui, quels sont vos rapports avec le tournoi? Nous gardons des bons rapports. Quand il a besoin de moi pour un projet, il m'appelle, maman, tu es où? Je vais te rencontrer, je peux venir vers toi ou tu peux venir vers moi. C'est là que ça me porte, on est un peu plaisir. Et pour finir, quel est le conseil que vous allez donner aux milliers de personnes qui rêvent d'être comme vous? Oui, je veux dire surtout à nos enfants qui sont en train de se lancer dans le cinéma, que si tu veux te lancer dans le cinéma, ne fais pas, parce qu'il y a d'autres personnes dans le cinéma qui sont là seulement pour qu'on les voie à la télé. Ils ne sont pas là pour jouer ce qu'on les demande de faire. Alors ils sont seulement là parce que bon, je vais passer à la télé et puis les gens vont me voir, ils seraient contents. Je demande à une personne qui veut se lancer dans le cinéma, pas seulement le jeu d'acteur, même pour un lycéen, fait très très bien ton travail. C'est juste ce que j'ai dû demander à qui que ce soit. Même si tu es un pailleur de rue, il faut faire très bien ton travail. Ne fais pas la coupe. Et j'ai dû dire aussi à mes enfants qui apprennent dans le monde du cinéma, j'ai une voix que je passe partout. Je ne voulais pas prendre un enfant pour le former dans le cinéma et on lui donne un texte. Elle commence à baptiser. Moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve tellement parce que si on te prend pour une villageoise, fais exactement comme une villageoise. Si on te prend pour une fille qui a fait la France, qui a fait l'Europe, oui, là, tu peux baptiser, là, ça se comprend. Mais une villageoise qui vient baptiser, tu n'as pas de. Ça n'a pas de sens.
Dieu. Moi, dans le jugement dernier, oui, c'était le réalisateur et tout le jugement dernier. Quand on a fini de tourner, on est rentré sur voilà, nous sommes allés donner sa boule. Nous sommes allés, moi on m'a invité à dormir, je suis allé à dormir pour 2 semaines. Lui, il avait déjà envoyé sa boule tout de suite. Alors, dans le film, on le voit, mais ce n'est pas ma foi. On lui dit non, nous connaissons bien la danse, mais ce n'est pas sa voix. Si tu veux que ton film passe, rentre avec. Tu es à peine mariton. Qu'elle dépose sa voix là, parce que la voix là, ça nous intéresse pas. C'est elle-même là, mais c'est pas sa voix. C'est là que j'ai compris que je ne savais pas. Même dans le bus, parfois quand je suis en train de voyager, je comprends quelqu'un qui dit ami que le signal dans le bus. Je ne change pas ma voix. Je ne change pas ma façon de parler. Je joue mon rôle comme le réalisateur me demande. Merci.